Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Par cette salutation, bien sûr, je salue tous ceux qui sont ici dans cette cathédrale, mais aussi ceux qui nous regardent à la télévision KTO et ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame. Avec eux, nous sommes en communion. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. J'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, de prier pour moi, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus boni voluntatis. Gloria in excelsis Deo. Felicibus in. Gloriamus in. Glorifica. Gratias ad vos, Deus.
Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Misérable berger, qui laisse périr et se disperser les brebis de mon pâturage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées, et vous ne vous êtes pas occupé d'elle. Eh bien, moi je vais m'occuper de vous à cause de vos méfaits, déclare le Seigneur. Puis, je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai dispersées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées et accablées. Et aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David une germe juste. Il règnera en vrai roi. Il agira avec intelligence. Il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Listen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui lui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons un accès auprès du Père dans un seul esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque dans un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié pour eux,
parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être allons-nous avoir la chance de partir en vacances et peut-être de sillonner les campagnes ou bien de passer par des chemins de montagne. Et nous aurons l'occasion sans doute d'être arrêtés par un troupeau de moutons. Évidemment, quand nous voyons un troupeau de moutons sur la route qui nous empêche d'avancer, a priori nous pensons que ces moutons sont tous semblables et qu'ils nous embêtent profondément. Mais si nous arrêtons un peu, et si nous regardons le berger, nous constatons que lui les appelle par leur nom. Chacune a un nom. Nous, ces bêtes que l'on semble exactement identiques, tous aussi stupides les unes que les autres, quand elles voient une voiture, au lieu de se déplacer, de la laisser passer, restent désespérément au milieu de la route. Mais le berger, lui, sait leur parler, les connaît chacune. Alors cela, évidemment, nous surprend. Comment se fait-il que cet homme puisse s'y reconnaître dans ce troupeau immense? Eh bien, c'est parce que peut-être il les a vus naître, il les a acquises, il les a fait grandir, il les a soignées chacune, et il sait les reconnaître. Eh bien, peut-être en est-il de nous aussi. Certains, peut-être, nous voyant, les chrétiens, pensent que nous sommes un troupeau informe, peut-être formaté, peut-être tous semblables. Or, nous savons, nous, que nous ne sommes pas semblables du tout. Il y a ici, dans cette assemblée, comme partout ailleurs, dans toutes les églises, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des gens avec des parcours extrêmement différents, des itinéraires, même des modes de pensée qui sont peut-être opposés. Mais voilà, nous sommes ici réunis tous ensemble, et particulièrement dans cette cathédrale où, effectivement, nous venons de partout, de tous les pays. Et peut-être, évidemment, nous ne nous connaissons pas, contrairement aux paroisses. Eh bien, nous sommes ici rassemblés, et nous sommes unis. Et celui qui nous unit, justement, c'est le berger. Et si nous sommes ici, c'est parce que chacun d'entre nous est connu du Christ, a fait personnellement la rencontre avec le Christ. Et si nous sommes ici, c'est à cause de lui, c'est lui qui nous rassemble. Et ainsi, nous nous trouvons tous extrêmement différents, peut-être de pensée, d'origine différente, mais nous sommes tous ensemble ici à cause du Christ. Ainsi, il fait tomber les barrières. Ainsi, il fait dépasser les différences. Ces différences, vous le savez, qui peuvent induire entre les hommes un mur de haine, hélas. Lui, en sa personne, comme le dit saint Paul, il a tué la haine. Ainsi, au lieu de la guerre des sexes, eh bien, il y a la complémentarité amoureuse de l'homme et de la femme, tous les deux à l'image de Dieu, pour être dans une communion d'amour et donner la vie. Ainsi, il n'y a pas de conflit de génération. Jeunes et vieux sont ensemble, chantant la louange de Dieu, apprenant peut-être à se parler et à se comprendre. Ainsi, tous les gens, avec des professions différentes, avec des statuts sociaux différents, nous sommes ici tous ensemble, tous au même niveau, parce que c'est le Seigneur qui nous rassemble et qui nous a conduits ici. Voilà ce Seigneur qui nous réunit, et si nous sommes ici, chacun d'entre nous va recevoir personnellement le corps du Christ. Chacun d'entre nous va le recevoir.
Et pourtant, c'est le même corps du Christ que chacun reçoit. Il n'est pas divisé, et c'est lui qui nous unit. Mais ce qui nous unit aussi au-delà, je parle bien sûr pour ceux qui nous regardent à la télévision ou nous écoutent à la radio, c'est aussi cette parole que nous avons entendue. C'est la même parole. C'est bien cette parole qui vient de Dieu, c'est bien celle qu'éclaire le Christ, et chacun de nous la reçoit avec son histoire. Et peut-être va-t-il la recevoir différemment de son voisin, à cause de cette histoire, à cause de ce qu'il a vécu lui-même. Et pourtant, c'est la même parole, et c'est cette parole qui nous unit. Et puis, si nous sommes ici, c'est pour que tous ensemble, peuple de baptisés, nous offrions l'unique sacrifice d'amour, celui du Christ, rendu présent ici à l'autel. Cet unique sacrifice d'amour, nous l'offrons pour le salut du monde parce que nous sommes un peuple sacerdotal. En effet, nous avons été baptisés et par ce baptême, nous sommes un peuple sacerdotal qui offre ce sacrifice d'amour pour le salut de toute l'humanité. Ainsi, c'est bien ce Christ qui nous rassemble, qui fait que nous sommes ici. Ce matin, au nom de notre archevêque qui est absent de Paris, j'ai assisté à la cérémonie de commémoration de la rafle du Veldiv, autour du président de la République. Nous nous sommes rappelés de cet événement épouvantable, mais nous nous sommes aussi rappelés des justes, de ceux qui se sont mis du côté des souffrants. Et heureusement, il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont fait partie des justes, au nom de l'humanité, mais aussi au nom du Christ. Comment est-il possible que des chrétiens puissent être antisémites? Nous avons tout reçu des juifs. Ce peuple élu a accompli sa mission, puisqu'il devait nous donner la parole de Dieu. Il nous a donné la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et tous nos textes du Nouveau Testament ont tous été écrits par des Juifs, sauf un, l'Évangile selon saint Luc, écrit par un médecin grec. Oui, ce matin, avec eux, nous avons fait mémoire. Avec eux, nous avons vécu un instant fraternel. Mais aussi nous, chrétiens, nous sommes ici unis par le Christ parce que nous devons reconnaître la présence du Seigneur dans tout homme, puisqu'il est venu sauver chaque homme. Comme il le dit lui-même, après avoir dit que le salut venait des Juifs, nous savons qu'il est venu et, comme son nom l'indique, sauver toute l'humanité. Et nous sommes ici justement pour abattre les murs de la haine, non seulement entre nous, peuple sacerdotal, mais pour toute l'humanité. Ainsi, si nous sommes ici, à chaque Eucharistie, nous prions pour tous nos frères humains, et tout spécialement pour ceux qui ne croient pas en Dieu, et tout spécialement pour ceux qui ne nous aiment pas, pour ceux qui sont nos ennemis, pour ceux qui persécutent dans le monde les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, afin que Dieu puisse toucher leur cœur de son amour. Voilà notre espérance et voilà ce que nous croyons. Ainsi, c'est bien le Christ qui nous rassemble. Au-delà même de ceux qui croient en lui, c'est lui qui fait notre unité. C'est lui, l'homme nouveau dont parle saint Paul. Ainsi, nous, devenant ses disciples, nous accomplirons ce que saint François d'Assise et Charles de Foucault avaient compris. Nous accomplirons notre vocation de frère universel.
credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi que nous avons la puissance et la gloire au ciel et au ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole de ce Seigneur.
Voici quelques activités au sein de la cathédrale en cette période. C'est mentionné sur le dos de la feuille de messe. Dimanche 29 juillet, la messe de 10 heures présidée par Mgr François Fleischmann, chanoine et chancelier, sera radiodiffusée sur France Culture. Nous rappelons les visites gratuites de la cathédrale cet été par les jeunes de CASA. Une visite offerte dans différentes langues, français, anglais, espagnol, italien et allemand. Nous rappelons aussi les nocturnes estivales à Notre-Dame, juillet et août. La projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, tous les soirs à 21h30, excepté le lundi. Nous rappelons également les concerts estivaux de musique sacrée à Notre-Dame à 20h30 cette semaine, demain, lundi, commence un concert demain. Pour l'Assomption 2012, le programme de la solennité pour les 14 et 15 août, sous la présidence de Mgr Rino Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, ce programme est sur votre feuille pour les deux jours. Nous voulons simplement attirer votre attention pour le retrait des indispensables contremarques qui sont gratuites, qui vont commencer à partir du 28 juillet, donc à l'accueil de la cathédrale. Autre information, la toute dernière, c'est surtout attention au programme d'été. Il n'y a pas de messe à 9 heures. Merci. Nous voulons dire merci à Monseigneur OPT pour cette célébration. Merci, Père. Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Salve Regina.